C'est le match attendu de cette 11e journée au stade de Gerland entre l'OL et l'OM, l'opposition entre les deux équipes les plus séduisantes du moment, les meilleures attaques du championnat. Lyon a pris 14 points sur 18 depuis début septembre. Le leader marseillais reste sur une impressionnante série de 8 victoires consécutives. La première période nous offre une opposition tactique. La technique lyonnaise se heurte aux défis physiques imposés par les Marseillais. Et ce sont justement les Marseillais qui vont se procurer la plus grosse situation de cette première période avec la frappe. Pied droit, le mauvais pied d'André Ayew. La parade de Lopez est magnifique. 0-0 à la pause, du rythme, de l'intensité, mais au final une partie cadenassée. Rares ont été les occasions entre ces deux équipes qui se sont neutralisées dans ce premier acte. Un match haché avec de nombreuses fautes. Mais cela va se décanter en deuxième période avec une nouvelle opportunité pour André Ayew. L'intervention d'Anthony Lopez est décisive. Si l'OL est très bien en ce moment, le gardien lyonnais y est pour quelque chose. Le premier quart d'heure de la deuxième période sera difficile pour les Lyonnais, mais les Gones vont laisser passer l'orage et remettre le pied sur le ballon. 65e minute, après cette longue séquence de possession de ballon, Henri Bédimo va trouver Alexandre Lacazette. Le décalage est fait. Gourcuff est parti dans le dos de Gianelli Mboula. Le crochet de Johan Gourcuff, l'enchaînement frappe pied gauche et l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais à la 65e minute. La quatrième passe décisive d'Alexandre Lacazette pour le troisième but de Johan Gourcuff après son doublé lors de la dernière journée face à Montpellier. Tout est parfait techniquement de la part de Johan Gourcuff. Il a vu que Mboula était en retard, alors il feinte la frappe pied droit, fait passer le ballon derrière sa jambe d'appui et trouve ensuite la lucidité de glisser la barre sous la barre transversale de Steve Mandanda, alors que de nombreux Marseillais étaient sur le retour. Depuis sa série d'invincibilité, l'OM n'a jamais été mené et l'OM sera donc incapable de revenir. Score final 1-0, Lyon enchaîne une cinquième victoire d'affilée à domicile et monte sur la troisième marche du podium. Fin de série pour l'OM après ses 8 victoires consécutives. Les Marseillais restent tout de même leaders de cette Ligue 1 avec 4 points d'avance sur le PSG et 5 sur Lyon.